Bueno, si os parece, empezamos, reanudamos la sesión, ¿no? Porque yo he sido un poco crítico con el capital social, pero creo que en el País Vasco, recientemente, pues tenemos dos grandes ejemplos, ¿no? Para, yo creo que el movimiento cooperativo, pues fue un gran movimiento de capital social que en su día, bueno, pues incluso se sigue desarrollando todavía, ¿no? Pero vamos, ese motor inicial y que ha ido incorporándose, creo que es un ejemplo vivo, cercano a nosotros. Y otro movimiento, yo diría, pues, el movimiento de las cicastolas, ¿no? Pues prácticamente de la gente sencilla, de la gente del pueblo, como quien dice, bueno, pues ha surgido todo ese movimiento. Yo creo que tenemos dos ejemplos bastante cercanos para aproximarnos un poquito a ese concepto, pero bueno, yo creo que el profesor Antoine Bebor nos va a dar la segunda línea de actuación, las líneas de investigación, ¿eh? Y por lo tanto, pues algunas de las cuestiones que incluso anteriormente se habían planteado, pues yo creo que se van a ver su respuesta, o por lo menos una forma de respuesta posible, ¿eh? Y por lo tanto, creo que ahora, durante 50 minutos, pues hará una segunda intervención. Luego tomaremos un cuarto de hora o 10 minutos para el coloquio correspondiente. Y nada más. Y le cedo la palabra al profesor Antoine Bebor. Gracias. Merci. Bien, donc dans cette deuxième présentation, on m'a demandé d'exposer les recherches, les objets de recherche qui étaient menés sous cette problématique du capital social. Alors, tout à l'heure, j'ai déjà présenté ce graphique. Donc, pour rédiger l'introduction de notre livre, on s'était intéressé à une banque de données qui s'appelle Science Directe, et on avait recherché dans cette banque de données le nombre de publications, que ce soit des articles ou des livres, qui étaient parus sous le titre de Capital Social entre 1990 et 2004. Et on avait pu voir qu'au début des années 90, même si la notion de capital social donc était déjà problématisée, théorisée par des chercheurs, au début des années 90, le nombre d'articles, de publications sur le capital social est extrêmement limité. Il commence à augmenter faiblement. Et puis, à partir de 95, le nombre de publications augmente énormément et atteint un sommet en 2001-2002. Et donc, effectivement lié aux travaux de Putnam. Les travaux de Putnam ont énormément stimulé les travaux sur le capital social. Et comme le remarquent deux auteurs américains dont j'ai repris la citation, hein, c'est que d'accord ou pas, parce que ces travaux de Putnam ont suscité énormément de critiques, beaucoup de chercheurs étaient très contents de participer à la bataille, quelle que soit leur opinion. Donc je pense que le débat scientifique, quel qu'il soit, critique ou pas, témoigne de l'intérêt de cette problématique. Alors, présenter les différents domaines de recherche concernés par le capital social, en 2001, un chercheur américain, Woolcock, distinguait sept grands thèmes, hein, dans lesquels les travaux du capital social étaient appliqués. Il y avait la famille et les jeunes, l'école et l'éducation, la vie des communautés, le travail des organisations, la démocratie et la gouvernance, les problèmes de l'action collective, le développement économique. Alors, pour notre part, pour essayer de classer un petit peu le vaste champ des recherches sur le capital social,
je propose de distinguer, bon, d'une part, quels sont les territoires du capital social, et dans une deuxième partie, je vais revenir sur quelques grandes questions de recherche qui sont au cœur des travaux sur le capital social et qui alimentent les débats sur le capital social. Donc, premièrement, les territoires du capital social. Alors, pour essayer de présenter les différents territoires du capital social, je vais reprendre d'abord le travail qu'on a fait sur la banque de données de sciences directes, qui permet de mettre en évidence un peu les champs disciplinaires qui ont de façon importante alimenté les travaux sur le capital social. Ensuite, je présenterai rapidement une façon dont un sociologue français, Alain Caillé, a classé les objets d'étude du capital social. Et enfin, je présenterai également les niveaux d'approche distingués par une chercheuse canadienne qui, à un autre niveau, permet de classer aussi les travaux du capital social. Donc, premièrement, les principaux champs disciplinaires du capital social. Donc, toujours dans notre travail sur la banque de données sciences directes, on a, disons, pu mesurer toutes les publications et on a pu classer, en tout cas pour les revues, un certain nombre de revues. Et ce que met en évidence ce classement, c'est que la première revue qui apparaît nettement en tête, c'est la revue Social Science and Medicine, devant World Development et The Journal of Socioeconomics. Et ensuite, on a un certain nombre d'autres revues qui participent plus ou moins à ce débat sur le capital social. Alors, bien entendu, j'y reviendrai à la fin, ce classement est très partiel, parce que la banque Sciences Directes a une composition a priori qui n'est pas exactement représentative de tous les champs disciplinaires. Néanmoins, ce que ce classement met en évidence, c'est un certain nombre de domaines dans lesquels le capital social a été mobilisé de façon très importante et assez rapidement. Alors, le premier de ces domaines, c'est le domaine de la santé. Effectivement, un des champs développés de façon très importante par le capital social, c'est la santé. Ce qui a été remarquable, c'est que la revue Social Science and Medicine, près d'un article sur six, était consacré au capital social sur la période que nous avons étudiée. Alors, ce qui est intéressant de souligner, parce qu'on va le retrouver, et je pense que c'est une des particularités des débats sur le capital social, c'est que cette revue, comme les autres, est une revue qui n'est pas lue que par des universitaires, par des académiques. C'est une revue qui s'intéresse aux chercheurs comme aux praticiens. Et je pense qu'un des intérêts du capital social dans tous les débats, c'est qu'en général, cette notion de capital social intéresse autant les scientifiques que les acteurs. Et en France, par exemple, il est plus facile de parler devant un public d'acteurs que de parler devant un public d'académiques, parce que les acteurs se posent moins de questions théoriques et sentent plus intuitivement l'intérêt de cette problématique qui évoque pour eux tout de suite des applications assez intéressantes. Alors, pour montrer l'intérêt de ce champ, on peut souligner que un des premiers travaux sur le capital social qui n'utilisait pas le travail sur le capital social, mais qui a illustré les raisons pour lesquelles le capital social intéresse les chercheurs, on peut faire référence à un article écrit par deux auteurs, Berkman et Syme, qui étudiaient le rapport qui existait entre le taux de mortalité constaté dans un comté de Californie et l'importance des liens sociaux. Et de façon très intéressante, ces chercheurs mettaient en évidence que plus on avait de liens sociaux, plus le taux de mortalité était bas. Et ce qui est intéressant dans ce travail, que l'importance des liens sociaux l'emporte sur tous les autres indicateurs qu'on utilise habituellement. C'est-à-dire que l'explication du taux de mortalité est plus corrélée avec l'importance des liens sociaux qu'avec le niveau socio-économique, qu'avec le niveau de diplôme, qu'avec le milieu culturel, etc. Donc, il y a un effet lien social qui est très important. Et Putnam a l'habitude de dire, pour savoir à quel âge vous allez mourir, le plus important, c'est combien d'amis avez-vous. Et c'est, d'après ce qu'il affirme,
l'indicateur le plus important. Plus vous avez d'amis, plus vous, plus vous avez la chance de vivre longtemps. Ce qui est quand même un intérêt assez important. Et bien entendu, je le dis là un peu rapidement, mais en fait, cela est quand même l'objet de travaux multiples. Et donc, ces travaux multiples soulignent qu'il y a des corrélations très intéressantes. Je dis bien corrélation, de la sauté à causalité, c'est autre chose, entre citoyenneté et santé, entre intégration, soutien social, et même les effets néfastes du tabac, etc. Donc, il y a intérêt, le lien social nous maintient en bonne santé. Alors, un des derniers articles dont j'ai eu l'écho, que j'ai cité là parce qu'il se trouve que je l'ai lu dans une revue Sciences Humaines, pour ne pas le citer, une revue de Sciences Humaines française, un des derniers travaux qui semble assez intéressant, c'est le travail donc d'un auteur Wilson, qui a étudié l'exposition au risque d'Alzheimer, et qui est donc rendu public en 2007, en février. Et ce qui souligne ce travail, c'est que le risque de développer la maladie d'Alzheimer est doublée chez les personnes qui se sentent seules. Ce qui est intéressant, c'est tous les mots de la phrase. C'est pas simplement chez les personnes qui sont seules que le risque est le plus élevé, mais c'est chez les personnes qui se sentent seules. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui fait que je prends mes distances par rapport à une sociologie des réseaux structuralistes. C'est pas simplement les réseaux qui comptent, mais le sentiment subjectif d'être intégré ou non dans les réseaux. C'est-à-dire qu'ils demandent, les chercheurs en l'occurrence, ont demandé non pas avec qui ils étaient en relation et quelle était la fréquence des relations, mais ils ont demandé si les personnes avaient un sentiment de solitude. Et c'est très intéressant de souligner que ce sentiment de solitude compte plus que la solitude. Et donc ça fait partie des multiples travaux. Alors le champ des travaux dans la santé est extrêmement important. Alors, dans un débat récent avec quelqu'un qui doute beaucoup de ces travaux, il disait oui, mais il y a d'autres travaux qui discutent énormément, mais ce qui est le propre d'un champ scientifique. Il me semble quand même qu'il y a un certain nombre de travaux qui plaident en faveur de l'importance des liens sociaux par rapport à la question de la santé. Et en tout cas, ça se justifie dans cette enquête, dans cette petite investigation qu'on a fait, on voit bien l'intérêt que suscite cette question. Le deuxième domaine qui suscite beaucoup d'intérêt, c'est l'économie. Voilà, la deuxième revue dans le classement qu'on a établi, c'est la revue World Development. Et donc, comme l'expliquent deux économistes français qui ont publié un des rares livres sur le capital social en français, c'est que le capital social apparaît aux yeux des économistes comme une façon d'échapper au réductionnisme économiciste, c'est-à-dire à tout expliquer par l'économique et à faire réintégrer dans l'analyse des faits économiques les actions sociales. Et d'ailleurs, bon, l'intérêt des organisations internationales comme l'OCDE et la Banque mondiale est une autre illustration des économistes pour cette notion. Et on peut rappeler à cette occasion l'importance qu'a eu le rapport de l'OCDE publié en 2002 sur le capital social et le capital humain, à l'époque capital humain et capital social, qui a donné un impact important aux travaux sur le capital économique. Donc on a là un deuxième champ, c'est de réintégrer la dimension sociale dans l'analyse des faits économiques, qui donne lieu à un deuxième champ d'études assez important. Le troisième champ, c'est celui de la socio-économie. Et étant donné que ce qu'on a déjà dit sur Marx Granovetter, ce résultat n'est pas tout à fait étonnant. La force des liens faibles, l'encastrement, les théories de l'encastrement sont des thématiques qui sont très proches des thématiques du capital social et qui expliquent l'intérêt de cette revue qui, comme les deux précédentes, est une revue qui est lue à la fois et qui est rédigée aussi à la fois par des scientifiques et par des acteurs. Ça permet de souligner aussi que le capital social a notamment en France et ailleurs suscité un intérêt important parmi les tenants de ce qu'on appelle l'économie solidaire. Je ne sais pas si la notion évoque quelque chose en espagnol.
ou encore en France, la sociologie du don, d'Alain Caillé. Évidemment, dans le capital social, la notion de réciprocité est un élément clé, et la notion de réciprocité renvoie à toute une conception assez militante de la société prônant les principes de l'économie solidaire ou reposant sur l'analyse importante du don. D'ailleurs, un des Américains, Jeremy Rifkin, qui est aussi dans ce champ-là, il a carrément, lui, identifié le capital social au tiers secteur. Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui mobilisent le capital social un peu à leur façon. Jeremy Rifkin identifie totalement capital social et tiers secteur, ce qui semble un peu excessif, mais Fukuyama, par exemple, identifie, un peu comme la première intervention, capital social et confiance. Ça illustre le débat qu'il y a, et ça illustre aussi les critiques de ceux qui trouvent que chacun y met un peu ce qu'il veut. Toujours est-il qu'on voit là un peu les questionnements qu'a suscité, l'intérêt qu'a suscité le capital social dans un certain nombre de domaines. Bon, il ne faut pas non plus faire dire à ce petit travail plus qu'il n'en dit. C'est un sondage très partiel qui n'a aucune ambition scientifique lourde. Par exemple, il ne dit rien sur l'importance des travaux dans la science politique. Or, Putnam est un politologue et la science politique est un domaine privilégié d'étude du capital social. De même, il ne dit rien sur l'importance des sociologies de l'éducation, ce qui est lié à la composition de la banque de données qui comprend peu de revues liées à ces deux champs-là. Ce que ce classement également sous-estime, c'est l'importance de la sociologie des réseaux qui constitue un terrain privilégié de tous les travaux sur le capital social. Donc, néanmoins, cette première approche permet d'avoir une petite idée de la façon dont le capital social est mobilisé dans les champs disciplinaires. La deuxième approche, c'est une façon d'étudier les objets d'études tels que Alain Caillé les a décrits dans l'introduction à notre livre. Alors, Alain Caillé, c'est un sociologue français qui a beaucoup écrit sur le don, qui est responsable d'une revue et d'un mouvement qui s'appelle le MOS. MOS qui est à la fois le nom d'un sociologue, neveu de Durkheim, MOS, Marcel MOS, et qui est à la fois aussi à la tête d'un mouvement qui s'appelle MOS, mais qui signifie mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, en reprenant les sigles, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, M-A-U-S-S. Donc, d'après Alain Caillé, il y aurait quatre grands objets d'étude qui formeraient le champ du capital social. Le premier champ d'étude, qui est effectivement historiquement le premier, c'est celui qui porte sur les prérequis de la démocratie. Effectivement, c'est celui qui est lié au travail de Putnam, Making Democracy Work. Effectivement, la question, le titre en anglais est très significatif. La première question que se posent ceux qui mobilisent le capital social, c'est que c'est une réflexion qui se demande qu'est-ce qui fait qu'une démocratie fonctionne ? Et la réponse, c'est le capital social. Je vais vite, bien sûr. La réponse, c'est le capital social. C'est une certaine forme de réseau. C'est une certaine forme de réseau, c'est certaines normes qui permettent d'étudier ce qui fait finalement l'efficacité ou non d'une démocratie. Alors dans ce domaine-là, un ensemble de travaux importants sur la participation à la vie économique, effectivement, quand on étudie le déclin ou non du capital social, un des premiers indicateurs qu'on prend, c'est l'importance de la participation à la vie syndicale, aux élections, à la vie religieuse, etc. etc. Deuxième débat qui porte sur cette question de la démocratie, deuxième objet d'étude, c'est les associations, leur degré d'autonomie, et notamment les relations entre les associations et les États ou les associations par rapport aux entreprises. Et enfin, toujours selon Alain Caillé, c'est l'étude des associations en fonction du type d'intérêt que défendent les associations. Alors, bien entendu, pour Alain Caillé, cette discussion sur les prérequis
de la démocratie, cette discussion sur les associations est une discussion qui recoupe le rôle du tiers secteur, de l'économie solidaire, ou qui regroupe, ou qui recoupe la question du don. Hein, pour lui, tout ça, c'est quelque chose qui rapproche ces problématiques à lui. Deuxième objet d'étude qu'on a déjà vu affleurer dans le classement précédent, c'est quel rôle joue le capital social dans le développement économique des nations. Et là, ce que souligne Alain Caillé, c'est que le débat sur le capital social, il a au moins eu un premier mérite, c'est de mettre fin à ce qu'on appelle le consensus de Washington. Alors je rappelle que le consensus de Washington, c'est une théorie qui pensait que la démocratie se développerait automatiquement dans le sillage du développement économique. Et dans beaucoup de pays, on pense que ce qui prime d'abord, c'est le développement économique et que la démocratie suit ensuite automatiquement. D'ailleurs, beaucoup de pays autoritaires prennent prétexte du sous-développement économique pour ne pas mettre en place des institutions démocratiques. En découvrant les bienfaits du capital social, les responsables des organisations internationales ont mis en cause un peu ce bienfait, constatant que peut-être que la démocratie était aussi un préalable au développement économique, était lié au développement économique, et que le capital social, de ce point de vue-là, développer le capital social permettait de développer la démocratie. Et donc, ce qui est au cœur de cette approche-là, c'est de s'intéresser à la façon dont les institutions et la vie économique peuvent favoriser la croissance économique. Ce qui rompt là avec une pensée habituelle qui traitait ces questions comme étant non pertinentes. Donc de ce point de vue-là, il y a tout un tas de travaux qui s'intéressent à la confiance, qui s'intéressent aux associations, à la démocratie, etc. Bon, c'est extrêmement complexe. Récemment, j'ai lu un travail portant sur la confiance qui constatait que la confiance augmentait dans des pays comme l'Inde, alors qu'elle baissait dans des pays comme l'Europe. Bon, bien entendu, c'est un peu rapide de faire des rapprochements, mais c'est quand même intéressant de voir que ces questions sont effectivement peuvent être considérées comme liées. Ça, c'est donc le deuxième objet, l'influence du capital social sur le développement économique des nations. Troisième objet, en fait, ça forme un groupe assez important qu'on pourrait appeler les formes de la vie sociale, en faisant référence là à ce qui intéresse Simmel, hein, qui s'intéresse à la sociologie formelle, aux différentes formes dans lesquelles la vie sociale se déroule. Alors on peut y distinguer, Alain Caillé, il place des travaux sur la vie familiale. Moi, dans la première présentation de ce matin, moi j'étais intéressé. Enfin, ce qui m'a frappé, c'est la méfiance qui existe entre les hommes et les femmes en Espagne. C'était quand même assez fascinant. Et en fait, j'aimerais bien savoir comment c'est analysé, parce que c'est un des taux les plus différentiels dans l'ensemble des taux de confiance qui ont été publiés. Alors que c'est la forme sociale qui reste quand même si on se marie plus, au moins, enfin, on continue quand même à vivre en couple, et qu'on vit en couple avec une aussi forte méfiance réciproque, c'est quelque chose qui mérite, à mon sens, d'être effectivement interrogé. Et je ne sais pas s'il y a des données sur les autres pays, mais en tout cas, ça m'a interrogé. Mais évidemment, au niveau comme ça, macro, c'est assez difficile d'interpréter, mais ça serait intéressant. Dans le même ordre d'idées, les études sur le voisinage constituent un thème classique du capital social. Hein, mais Putnam, par exemple, à propos du déclin social, constate qu'on s'invite de moins en moins chez les voisins et on s'enferme de plus en plus à double tour. On remplace en fait la sécurité par les relations de voisinage, par la sécurité, par des serrures, voire l'armement aux États-Unis, voire la police, etc. Il est évident que, de ce point de vue-là, capital social et sécurité sont un thème également. Le deuxième sujet d'étude porte sur les entreprises. Hein, c'est quel est le rôle du capital social au sein des entreprises ou entre les entreprises, hein, dans les réseaux d'entreprises, hein, dans quelle mesure la prise en compte du capital social
permet-elle de participer à l'analyse des performances sociales. Et la troisième thématique, là, c'est plus globalement les institutions et les organisations, par exemple la réussite scolaire, qui constitue un thème classique. Bien entendu, ces thèmes se croisent très souvent. Par exemple, vie du voisinage et réussite scolaire sont souvent croisés. Quatrième objet d'étude, et ça rejoint, donc je ne vais pas ce qu'on a déjà dit, hein, c'est l'étude sur les réseaux. Alors la question qui est posée, c'est: le capital social est-il autre chose que des réseaux? Pour la sociologie structuraliste, ce ne sont que des réseaux. Et la question qui est posée, que fait-on des normes de réciprocité dans un réseau, dans l'analyse du capital social? Ça fait bien entendu référence, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, à la théorie des liens forts et des liens faibles. Il est évident que de ce point de vue-là, on est dans une thématique assez traditionnelle. Et enfin, cela est également théorisé par la notion de trou structural. Alors, je rappelle la définition que donne Burt, bon, qui a théorisé ça, hein, la notion de trou structural désigne l'absence de relation entre deux personnes liées à une troisième personne. Vous faites un triangle, celui qui occupe un lien structural, c'est celui qui a une liaison avec les deux autres personnes, et les deux autres personnes n'ont pas de lien entre elles. Il est évident que plus vous avez de trous structurels, plus vous avez des relations avec des personnes différentes qui n'ont pas de relation entre elles, et donc vous avez un capital social très important, enfin un réseau très important. Alors pour Burt, l'essentiel du travail de réseau constitue à analyser ainsi les structures de réseau et à mettre en évidence la façon dont certaines personnes savent occuper des trous structuraux et savent ainsi se constituer un réseau stratégique. Bon, ça donne lieu, je l'ai déjà dit, à des analyses mathématiques sophistiquées dont je me méfie. Ça fait un peu penser à la physique sociale, une espèce d'ambition de la physique sociale qui existait dans la sociologie au XIXe siècle. Première idée aussi de Durkheim. Donc voilà, quatre objets d'étude. Troisième façon de classer cela, c'est de citer la façon dont Sandra Frank classe dans l'introduction à un travail important au Canada sur le capital social les trois approches différentes du capital social. En fait, Sandra Frank, pour essayer de classer les travaux sur le capital social, dit qu'il y a trois approches: une approche micro, une approche macro et une approche méso. Donc, première de ces approches, et chaque approche, d'après elle, a une certaine particularité, singularité. D'après Sandra Frank, donc, l'approche micro est celle qui s'intéresse à la valeur, au potentiel d'action collective du capital social. Bon, on a déjà beaucoup cité cette réalité. Pour elle, pour Sandra Frank, c'est l'approche micro qui privilégie cette conception du capital social. Et dans cette optique-là, elle voit le capital social comme le produit d'une part de motivation des acteurs, d'un certain nombre de valeurs, d'autre part de la façon dont ces acteurs coopèrent, et enfin des représentations. Donc là, c'est une approche que les auteurs de la Banque mondiale appellent le capital social cognitif, et qui serait seule, qui de façon privilégiée, d'après Sandra Frank, permettrait de comprendre un petit peu cette notion d'action collective. La deuxième approche, c'est l'approche macro. C'est une approche qui, pour elle, est celle de Putnam. Et d'après Sandra Frank, cette approche-là s'intéresserait plutôt à la notion d'intégration, à la notion de cohésion sociale, à la notion de participation. C'est, à mon sens, une présentation qui ne fait pas justice à Putnam, dans la mesure où Putnam lui-même, ce qu'il essaye d'expliquer, c'est quand même la notion d'action collective. Mais d'après Sandra Frank, cette notion donc n'est pas présente. Elle présente le capital social comme quelque chose qui est assez déterminé par les structures sociales et par l'environnement d'une collectivité. Et c'est le macro, c'est le niveau macro qui permet d'expliquer les différences de participation.
Alors, ce qu'elle souligne, c'est que l'approche macro, comme l'approche micro, envisage le capital social comme un bénéfice collectif, comme un produit collectif. Bon, c'est une conception, à mon sens, qui est un peu discutable. Troisième approche, qui est celle que privilégie Sandra Frank, qui est l'approche méso. Et en fait, l'approche méso est un peu l'approche de la sociologie structuraliste, mais dans une optique capital social. Donc en fait, comme la sociologie du réseau, ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment les individus sont positionnés dans des structures sociales et comment ces positions dans les structures sociales conditionnent leur action sociale. Ce qui caractérise ce courant, c'est un courant qui valorise une notion très instrumentale du capital social. En cela, il est proche de la mobilisation des ressources. Et le capital social, là, est envisagé comme quelque chose qui est capable de produire des ressources sociales. Bon, de façon explicite, la notion de la Banque mondiale capital social structurel renvoie bien à ce courant de la sociologie structurelle. Et alors, ce qui fait l'originalité de ce courant, d'après Sandra Frank, c'est que c'est ni une propriété individuelle, le capital social n'appartient pas aux individus, ni une propriété collective, mais c'est une propriété des relations entre les individus. Ce n'est donc ni les individus ni le groupe, mais la propriété des structures qui caractérisent ce groupe. Donc, ce qu'on peut dire de ces trois classements, c'est qu'il y a un certain nombre de questionnements communs qui apparaissent, des questionnements sur l'action collective, sur les conditions de possibilité de l'action collective, sur les formes des réseaux, etc. Deuxième chose, c'est qu'on voit un intérêt qui est à la fois académique et politique. Ce que je veux dire par politique, pratique, c'est-à-dire que le capital social, il suscite l'intérêt et des scientifiques et des acteurs, que le capital social est l'objet de considérations théoriques et méthodologiques extrêmement diverses, relativement diverses en tout cas, et de débats assez vifs, que, à mon sens, ce qui fait l'unité de la problématique du capital social, c'est qu'il s'intéresse aux liens micro-macro. Ce qui fait aussi une caractéristique de tous ces travaux, c'est que le capital social est souvent appréhendé dans sa visée instrumentale. Le souci qui naît, c'est que produit le capital social. Et malgré tout, dans tous ces travaux, ce qui n'apparaît pas, en tout cas dans les travaux qui sont menés sur le terrain, c'est la question des normes de réciprocité. Les normes de réciprocité font partie du capital social, mais dans les travaux précis, qu'est-ce que c'est que ces normes de réciprocité? Quelles sont les normes de réciprocité? Qu'est-ce qu'il faut donner pour recevoir? Cette question ne reçoit pas de travaux et très très précis. Alors, dans une deuxième partie, quelles sont les grandes questions de recherche qui, à mon sens, émergent de tous ces travaux? J'en vois pour ma part quatre. Premièrement, l'engagement civique et le capital social. Deuxièmement, l'évolution du capital social. Décline-t-il partout et comment le mesurer? Troisièmement, la performance du capital social. À quoi sert le capital social? Et enfin, quatrièmement, le capital social et la question de l'égalité. Première question, donc, le capital social et engagement civique. Alors, je reviens encore une fois au travail de Putnam dans Making Democracy Work, dans lequel il fait donc une performance institutionnelle comparative des gouvernements régionaux italiens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que Putnam appelle un gouvernement performant, un gouvernement démocratique performant, c'est un gouvernement qui à la fois est responsive, ça veut dire qui répond aux attentes des citoyens, et efficace. C'est-à-dire que ce que Putnam étudie, ce n'est pas la performance
abstraite d'un gouvernement, c'est la performance démocratique. C'est-à-dire un gouvernement démocratique et performant s'y prend en compte les besoins des citoyens et s'il y répond efficacement. Alors, je passe sur la façon dont il met en évidence cela. Il aboutit à un résultat qui consiste à considérer que un gouvernement est performant s'il peut s'appuyer sur un capital social riche dans les régions italiennes. Et ce travail a reçu énormément d'éloges, et ce qui est quand même assez rare, une revue importante américaine, American Political Science Review, a consacré, après avoir consacré un premier article, un compte-rendu comme un autre, a consacré un numéro entier, rien qu'aux travaux de Putnam, un numéro entier d'éloges et de critiques mêlées. Alors, dans ce travail, il y a énormément de critiques qui sont... On reproche à Putnam d'avoir fait abusivement des relations avec l'histoire, un peu comme j'ai fait au début avec l'histoire du républicanisme italien. On lui reproche d'avoir... fait des calculs statistiques qui n'étaient pas fondés, et on lui reproche un certain nombre de points de vue théoriques. Alors, je ne vais pas toutes les reprendre, je vais juste citer quelques interrogations qui sont, à mon sens, au cœur de la réflexion sur le capital social. Première question, dans cette question de capital social et engagement civique. Qu'est-ce que le capital social ? Est-ce que c'est un lien social ou est-ce que c'est un lien politique ? Ça me semble une des questions... fondamentale du capital social, et ça renvoie un peu à l'idée aussi que j'ai développée, c'est que qu'est-ce que c'est que la différence entre un homo sociologicus et un homo politicus et un homo economicus. On est certain qu'il ne s'agit pas d'un homo economicus, c'est-à-dire que c'est certain de ne pas étudier l'individu comme étant quelqu'un mu par ses intérêts, faisant des calculs coût-avantage. Pour autant, est-ce qu'on parle de ces liens sociaux ou est-ce que c'est déjà un lien politique? Alors Sidney Tarrow, qui est un politiste américain important, fait plusieurs reproches. Premièrement, il reproche au capital social d'être finalement rien d'autre, la nouvelle mouture de la culture politique. Il faut savoir qu'en sociologie, politique, expliquer les faits, les phénomènes sociaux et politiques par la culture s'expose aux reproches du culturalisme et souvent très mal vécu. Et en fait, un autre dit, en fait, Putnam, il a trouvé la variable magique qui explique tout, le capital social. Donc, quelle est la différence entre capital social et culture politique? D'après Sidney Tarrow, il n'y a pas de différence. Deuxième reproche que fait Tarrow à Putnam, c'est d'avoir idéalisé la démocratie et d'avoir notamment confondu institutions effectives et démocratie. À mon sens, ce reproche-là est un peu rapide, dans la mesure où il s'agit bien, par la responsiveness, de voir si un gouvernement démocratique répond aux attentes des citoyens. Mais enfin, le troisième reproche, et le plus important, c'est qu'est-ce qui explique finalement la performance institutionnelle? Est-ce que c'est la richesse de la société civile, pour le formuler autrement, le capital social, l'esprit civique de la société, ou est-ce que c'est l'État, les institutions politiques? Et là, il y a un vrai débat, c'est-à-dire, finalement, la performance démocratique d'un gouvernement est-il due à la richesse de la société mesurée par son capital social, ou est-il due à la façon dont les institutions politiques créent de l'esprit civique? Et c'est un débat très important, notamment d'un point de vue de création du capital social. D'où vient le capital social? En fait, comme je le dis à la fin, c'est une critique de la théorie bottom-up, c'est-à-dire que, notamment dans son livre « Making Democracy Work », tout procéderait d'en bas. C'est la société serait performante à partir de la richesse du bas. Pour Tarrow, c'est sous-estimer tout ce qui peut... elle est top-down, c'est-à-dire qu'il y a une autonomie du politique, il y a un rôle des institutions politiques qui est central. Les institutions politiques sont des leviers d'action collective et ne sont pas simplement le fruit passif de la richesse de la société civile. Donc là, il y a un débat qui est relativement important. Deuxième débat, c'est la question de la confiance. Alors ce débat est notamment abordé dans un livre qui s'appelle Civic Engagement in American Democracy, donc publié avant Bowling Alone, par deux auteurs,
qui contestent vivement, mais qui prennent au sérieux les travaux de Putnam, qui n'en font pas des travaux non scientifiques, mais qui en discutent un certain nombre, de façon très précise, un certain nombre de résultats, d'hypothèses et de raisonnements théoriques. Alors, première remarque, ils contestent fortement, ces deux auteurs et une grande majorité des auteurs qui ont collaboré à cet ouvrage, ils contestent le lien qui est fait par Putnam entre démocratie et confiance. Ils disent explicitement que la démocratie n'est pas un havre de confiance. La démocratie peut être aussi le résultat de conflits. Donc là, il y a la critique d'une vision un peu irénique de la démocratie comme résultant de la confiance, du consensus et comme niant l'importance des conflits. Les conflits produisent aussi et la méfiance et les conflits entre les groupes et la méfiance que ça suppose, les différences d'intérêts, peuvent aussi produire des avancées politiques et sociales. Donc, de ce point de vue-là, il y a une première interrogation, quel est le lien entre démocratie et confiance? Il n'est pas celui stipulé par Putnam, d'après Skocpol et Fiorina notamment. Deuxième interrogation, d'où vient la confiance? Qu'est-ce qui fait que nous avons confiance les uns dans les autres? D'après Putnam, nous avons confiance les uns dans les autres comme fruit d'un effet, c'est un effet de la socialisation. D'une socialisation réussie. D'après Skocpol et Fiorina, c'est pas la socialisation qui produit la confiance, ce sont les institutions politiques qui produisent la confiance. Alors, peu importe la façon dont Skocpol et Fiorina qualifient de néo-durkheimien ou de propositions psychosociologiques, les analyses de Putnam. Ce qui compte, c'est le fond du raisonnement. Mais effectivement, c'est un questionnement intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'on ait confiance les uns dans les autres? Est-ce que c'est le fruit de la façon dont on a été socialisé à l'école, dans la famille, dans les amis, dans les groupes sociaux? Ou est-ce que c'est le fruit des institutions politiques qui créent la confiance? Pour Skocpol, il conteste violemment l'approche de... Autre question, qui n'est pas non plus négligeable, c'est la confiance fait-elle partie du capital social? Alors, dans Democracies in Flux, que j'ai déjà cité, qui fait une comparaison, ils insistent dans ces différentes contributions sur le fait de devoir distinguer les différentes formes de confiance. Il y a ce matin déjà des différences qui ont été distinguées. Bon, la Suède, qui est considérée comme un pays où on se fait beaucoup confiance, de ce point de vue-là, ce qu'il faut étudier, c'est la différence entre la confiance interpersonnelle, c'est-à-dire la confiance que les gens ont les uns avec les autres, qui, elle, ne diminue pas. En Suède, les gens ont confiance les uns dans les autres, se font confiance, et la confiance qu'on peut avoir dans les institutions, c'est-à-dire ce qu'il appelle la confiance verticale. Et ce que constate l'auteur de la monographie sur la Suède, c'est que si la confiance entre les individus reste stable et à un haut niveau, la confiance dans l'État et dans les institutions politiques diminue. Donc de ce point de vue-là, c'est pas simple d'interpréter l'évolution de la confiance. Alors, il y a également dans cet ouvrage un chapitre intéressant concernant l'Espagne, dans lequel l'auteur de la monographie concernant l'Espagne, à partir des distinctions de Putnam, estime qu'il faut distinguer, alors je reprends son vocabulaire, un capital social ouvert à base de solidarité organique, référence à Durkheim bien sûr, et un capital social non civique, fermé, solidarité mécanique ou tribale, et qu'on peut très bien avoir la cohabitation entre une forte confiance au sein d'un groupe, d'une communauté, et une forte méfiance à l'égard des autres groupes. Et que ces deux peuvent être plus ou moins explosifs, et rendent donc la question de la confiance assez complexe. Donc la question de la confiance mérite d'être étudiée, mais il faudrait, bien entendu, ça mériterait d'être étudié tout en détail. Alors,
Donc voilà un certain. Donc deuxième grande question, l'évolution du capital social. Alors je vais aller un peu plus vite parce que le temps me manque. Mais disons que ce qui est comment ce qui depuis Bowling Alone, le débat sur le capital social, le débat notamment précédent sur le capital social, qui me semble le débat le plus intéressant, justement le plus. Qu'est-ce qui fait que quel est le lien entre le dynamisme et la vitalité d'une démocratie et la vitalité de sa société politique? Pour moi, c'est le débat fondamental. Ce débat a souvent été remplacé par un autre débat qui est est-ce que le capital social décline et donc comment mesurer le capital social? Donc, c'est un débat qui donne lieu à une littérature et des efforts très très importants. Mais qui fait un certain nombre d'hypothèses, c'est que si on parle du déclin du capital social, premièrement, on ne peut, et si on veut le mesurer, on unifie le capital social, on identifie un certain nombre d'indicateurs qui nécessairement doivent être les mêmes, chronologiquement, hein, dans le temps, si on veut, est-ce que le capital social espagnol est moindre ou plus élevé qu'il y a 10 ans, il faut le mesurer de la même façon. Deuxièmement, quand on fait des comparaisons entre pays, est-ce qu'on peut comparer le capital social français, suédois, anglais, américain? Est-ce qu'on parle de la même chose? Donc ce débat devient central et pose à mon sens un certain nombre de problèmes. Alors, il pose celui des indicateurs du capital social. Alors c'est peut-être un peu petit, mais je rappelle ici la façon dont Putnam avait calculé le capital social, mesuré le capital social aux États-Unis. Bon, il l'a d'abord fait en Italie. En Italie, il avait un indicateur du capital social très simple, enfin très rudimentaire, très très simplifié, qui comprenait, bon, je passe éventuellement après, mais très rudimentaire en fait, très peu élaboré. Et arrivé aux États-Unis, il en a fait un beaucoup plus élaboré, dans lequel il mesure un certain nombre d'indicateurs, moi qui me semble assez intéressant, parce que qu'est-ce qu'il essaye de faire? Ben, il essaye de mesurer jusqu'où les gens sont impliqués dans la vie de la communauté, appartiennent-ils à des organisations, hein, avec des sous-indicateurs assez précis. Il se demande dans quelle mesure les gens participent aux affaires publiques, s'engagent dans les affaires publiques, participent aux élections par exemple, mais aussi participent à des réunions. Par exemple, ce qui fait l'analyse dans Bowling Alone, c'est que non seulement les gens votent de moins en moins, mais aussi les gens vont moins aux meetings, écrivent moins aux hommes politiques, et ça permet d'analyser un certain nombre de faits de façon plus fine. En fait, troisièmement, ils mesurent le bénévolat, hein, dans quelle mesure les gens s'engagent dans des associations à but non lucratif, hein, le temps qu'ils y passent. Quatrièmement, il s'intéresse à la sociabilité informelle. Le capital social, c'est pas simplement faire partie d'organisations formelles, syndicats, partis, églises, associations ONG, etc., associations de parents d'élèves. C'est aussi aller voir des amis, avoir des loisirs, etc., avec des amis. Et enfin, il y inclut la mesure de la confiance. Ce qui lui a été reproché notamment par une politiste française. Et vous voyez, on retrouve la question qui était tout à l'heure exposée. Ce qu'on a reproché, c'est que comme la confiance est le produit du capital social, peut-on mesurer la confiance comme un indicateur du capital social alors que c'est le produit? C'est un peu complexe. Enfin, il y a de ce point de vue-là un débat. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le livre déjà cité « Democracy in Flux » dirigé par Putnam, il avait confié les monographies à 7 auteurs ou groupes d'auteurs différents. Et dans ce travail qui a été fait, donc dirigé par Putnam, on a un panorama intéressant de l'évolution du capital social dans 7 pays développés, dont l'Espagne, la Suède, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon. Et premièrement, chaque chapitre mesure le capital social à sa façon. Aucun indicateur commun. J'en donne deux exemples, je passe, c'est pas la peine de détailler, mais contentons-nous de noter que chaque pays mesure le capital social à sa façon, et ça va continuer. Deuxième résultat, on ne peut pas conclure à une évolution commune.
On ne peut pas dire que le capital social décline partout, ou il augmente ou il baisse. Il y a des pays où ça baisse, il y a des pays où c'est stable, il y a des pays où le capital social se renforce. Donc pour le moment, c'est difficile de tenir une conclusion. Enfin, ajoutons que une des raisons pour lesquelles on ne peut pas mesurer le capital social partout de la même façon, c'est que pour mesurer le capital social, il faut des statistiques. Et pour avoir des statistiques, il faut que les instituts statistiques produisent des données. Or, les instituts statistiques américains produisent des données très riches. Les instituts statistiques français, c'est uniquement national, il n'y a rien au niveau local. Donc, la statistique produit, la statistique procède à une construction sociale d'un pays. Par exemple, le fait qu'en France, il n'y ait pas de statistique régionale, un tant soit peu valable, renforce l'idée qu'en France, il n'y a qu'une seule France, une nation, et que tous les citoyens, qu'ils soient bretons, basques, niçois, ou parisiens, ou lillois, sont les mêmes. Or, justement, le capital social, en s'intéressant aux réseaux sociaux, permet de... Mais pour cela, il faut des statistiques, il n'y en a pas. Bon, bien entendu, il y a aussi des débats théoriques qui font qu'on ne choisit pas les mêmes indicateurs. D'ailleurs, en France, on a été incapable de faire un indicateur quel qu'il soit. Alors, ce qui est intéressant dans ces travaux, plus que, à mon sens, la mesure, est-ce que ça baisse, est-ce que ça monte, c'est la transformation du capital social. Le capital social, c'est des réseaux et c'est des associations, notamment. Au cœur de Civic Engagement, on étudie des associations. Et parmi les résultats intéressants qui sont produits par les différents auteurs, c'est que les formes d'organisation changent. Disons que, je passe sur ce slide, qu'est-ce qui s'est passé autrefois, pour aller vite, on avait des organisations fédérales reposant sur des cellules locales au sein desquelles on se rencontrait pour parler et agir ensemble. Donc, on avait des véritables pyramides dont la vitalité reposait sur des cellules locales actives. Par exemple, des syndicats dans les entreprises avec des sections, par exemple, des parents d'élèves dans les établissements, par exemple, des associations d'anciens combattants, aux États-Unis, c'est très important, par exemple, des associations antiracistes, aux États-Unis, assez importantes. Aujourd'hui, ces associations sont de moins en moins des fédérations comme autrefois. Ce sont de plus en plus des organisations nationales, très professionnelles, dont la vie locale s'est totalement étiolée, dont la vie locale n'est plus animée par des associations, des cellules locales. C'est-à-dire, au lieu d'être membre d'une organisation, en étant membre d'une cellule locale dans laquelle on rencontrait des gens, maintenant on est membre d'une organisation, on paye une adhésion, on paye souvent par prélèvement automatique sa cotisation, et on a un lien électronique, on reçoit une lettre. C'est-à-dire, on ne se rencontre plus physiquement. Or, le lien interpersonnel est très important dans toute l'activité, dans toute l'activité de ces associations, pour que les associations soient, comme le dit Putnam, des écoles de démocratie, pour qu'on a, parce que qu'est-ce qui fait que l'association est si importante? Parce que dans une association, on apprend à écouter les autres, on apprend à être trésorier, on apprend à diriger, on apprend à organiser. C'est ça qui fait la richesse d'une association, quelle qu'elle soit, pas seulement les associations politiques, n'importe quelle association. Et deuxième résultat, très important par rapport à Putnam, c'est quand on fait l'histoire de l'associationnisme américain, Skocpol et Fiorina, qui ont particulièrement traité cette question, montrent que les associations américaines ne sont pas le fruit de la société, ne sont pas nées de la société, ne sont pas nées du bas d'individus, de citoyens qui voulaient créer des associations. Elles sont le fruit d'une articulation entre le développement du fédéralisme américain et le développement de la société américaine. D'ailleurs, aux États-Unis, ce qui est très intéressant, c'est de comparer la structure politique fédérale américaine et la structure fédérale des associations. Il y a vraiment une symbiose. C'est la même structuration politique et sociale de la société américaine. La décentralisation, le rôle des communautés, etc. Voilà. Donc, alors, je vais m'arrêter là. D'autres questions, la performance du capital social, je les laisse. Et capital, donc je voulais développer capital social et éducation. Peut-être une dernière question quand même que je voudrais traiter. Une des grandes interrogations que pose le capital social, un des grands thèmes qu'il faut explorer à mon sens, c'est la question du lien entre capital social et égalité. Je rappelle que pour Bourdieu,
le capital social ne fait que redoubler les inégalités produites par le capital économique et le capital culturel. L'école est une reproduction, etc. Le mythe de l'école démocratique, etc. La question, jusqu'où cela est-il vrai pour le capital social ? Ce que, par exemple, on peut dire, c'est que le syndicalisme d'autrefois si fort et aujourd'hui si faible, ne peut-on pas l'analyser ? Il avait un capital social très important. Ce qui faisait la force du capital du syndicalisme d'autrefois, en France en tout cas, c'était son capital social, c'était ses réseaux, c'était ses valeurs, c'est-à-dire cette identité ouvrière, cette identité militante, cette identité idéologique. Et le syndicalisme français, il est faible aujourd'hui, on peut faire l'hypothèse, parce qu'il a perdu son capital social. Et donc, ce capital social, il est fini. Mais il faut peut-être en reconstruire un nouveau qui correspond à d'autres réseaux, à d'autres normes que les normes historiques, etc. Le problème que constate Putnam, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déclin du capital social américain, il y a un déclin du capital civique américain, et ce qu'il constate, c'est que l'Amérique civique devient de plus en plus inégalitaire. C'est-à-dire que, en fait, dans le déclin du capital social, ce sont les classes populaires qui souffrent le plus, qui perdent le plus leur capital social. Et donc, il y a effectivement un vrai débat, il y a une dynamique inégalitaire du capital social qui est très forte. Ce qui ne veut pas dire que le capital social, au contraire, je pense que l'intérêt et la limite de Bourdieu, en fait, c'est d'avoir sous-estimé que le capital social pouvait être une ressource pour les dominés, pour s'opposer aux dominants. Ça peut être une ressource pour, au lieu de considérer les pauvres, les ouvriers ou peu importe, les chômeurs comme des gens qui n'ont rien, on peut considérer comme des gens qui ont une richesse, c'est leur capital social, leur réseau, leur valeur. Et ça, ça a été un peu sous-estimé, mais c'est vrai que ce capital social a tendance aujourd'hui à être plus touché par le déclin que d'autres. Merci. Muchas gracias, profesor. Es que recasco. Yo creo que tenemos ahora más elementos, bastantes más elementos para comprender y comprender lo que es el capital social y por lo tanto podemos abrirlo. 10 minutos, un cuarto de hora de debate, de comentarios, de preguntas, lo que se quiera. Venga. Bueno, no sé si oigo la traducción. Yo creo que sí. Bien, pues yo la verdad es que no sé si entiendo lo que es capital social ahora más que antes, porque parece que al hablar de capital social se utiliza una expresión, capital social, pero se habla de muchísimas cosas distintas, incluso a veces algunas contrapuestas unas con otras. Y yo lo que me pregunto si lo que está ocurriendo no es que se da el nombre de capital social a muchas cosas que podrían tener en realidad nombres distintos. Por ejemplo, bueno, quizá para señalar mejor esto, después de hablar de capital social y esa definición clásica, unos autores tiran por un lado, otros tiran por otro, no se parecen en nada, y quizá para hacer algo que pudiera ser medianamente práctico, habría que decir, yo estudio el capital social, ¿para qué? ¿Para qué? Para la política, para la comparación de regiones. Por ejemplo, mañana por la mañana yo creo que nos van a hablar de capital social en el sentido de ¿para qué sirve para conseguir mayor riqueza económica? De lo cual aquí no se ha hablado casi. Así que, bueno, no sé si esto es una pregunta o qué es, pero
no sé, creo que lo primero para hacer algo práctico es preguntarse ¿para qué voy a estudiar el capital social? Porque si no, entra todo bajo este rótulo. Alors, première réponse, la diversité que j'ai exposée, c'est la diversité des chercheurs. Il ne s'agit pas de la masquer, à mon sens, il faut au contraire l'exposer clairement. Il existe effectivement différentes conceptions du capital social. Néanmoins, pour ma part, je pense que... Parce que souvent... Cette remarque revient souvent, notamment en France. Je ne sais plus ce que c'est que le capital social. Pour ma part, je pense que les capitales sociales, ça se rapporte aux relations sociales et aux normes de réciprocité qui caractérisent un groupe. Ça me semble quelque chose, pour moi, assez précis. Et, par exemple, l'indicateur de Putnam, à la notion de confiance près, mais bon... me semble une mesure possible de cette notion de capital social et donc me semble de mon point de vue pouvoir être opérationnalisé et ensuite objet de mesure. Pourquoi faire? Alors effectivement une des choses que j'ai sauté, que j'ai quand même cité, c'est mais moi je suis sociologue, je suis pas économiste, hein, c'est la notion de performance du capital social. À quoi sert le capital social? Effectivement, c'est une question essentielle, c'est la question de départ de Putnam. Hein. Putnam étudie le capital social pour voir... Enfin, Putnam n'étudie pas le capital social. Putnam étudie la performance politique des gouvernements italiens pour voir si elles sont identiques et pour voir qu'est-ce qui explique... qu'elles ne sont pas identiques. Qu'est-ce qui explique que certaines régions sont plus performantes que d'autres? Et l'explication qu'ils trouvent, c'est que les régions les plus performantes sont les régions qui ont le plus, ou plutôt un certain type de capital social. Un certain nombre de travaux là, que je n'ai pas cités, mais qui sont à mon sens très intéressants. Alors, je sais, par exemple, le capital social, il y a des travaux assez divers qui sont menés pour savoir déjà j'ai cité la santé, hein, je veux dire, il y a beaucoup de travaux qui sont menés pour essayer de comprendre l'effet du capital social sur la santé, ça me semble quand même intéressant. L'effet du capital social sur l'éducation, il y a beaucoup de travaux qui essayent justement de comprendre, qui essayent d'expliquer, par exemple, en France, il y a quelque chose qui est particulier, c'est qu'on sait très bien que les résultats en éducation sont différents en fonction de l'origine sociale, économique des parents. Je pense que c'est dans tous les pays pareil. Les enfants de cadres réussissent mieux à l'école que les enfants d'ouvriers. Néanmoins, une fois qu'on a isolé ces facteurs, il reste des inégalités entre écoles. Qu'est-ce qui fait que, à origine socio-professionnelle et culturelle égale, certaines écoles ont de meilleurs résultats que d'autres? L'hypothèse, c'est peut-être que c'est le capital social. Et on a essayé d'explorer ces notions de capital social. Sinon, à quoi sert le capital social? J'avais ici donné la liste de l'exemple canadien. Donc, vous mettez capital social dans cette liste, et vous avez là un ensemble d'investigations, pas seulement scientifiques, parce que c'est dirigé par le gouvernement canadien. Le gouvernement canadien essaye de comprendre dans quelle mesure le capital social permet de mieux lutter contre la pauvreté, permet de mieux vieillir, permet de mieux accueillir les immigrants, permet de mieux scolariser les autochtones, permet de comprendre l'engagement civique. Donc voilà un certain nombre d'investigations, de sujets d'investigation qui sont explorés par les Canadiens, dans mon sens très instrumental et qui participe de la performance socio-économique des pays, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Alguna autre question en la misma orientación, algo que se quiera añadir?
Yo creo que el profesor ya ha adelantado la dificultad de medir y por lo tanto también de comparar, ¿no? Cuando hacemos una medición de un país, poder comparar con los mismos parámetros, hacer la comparación con otro país, que seguramente, bueno, pues ha utilizado metodologías algo diferenciadas y también se tiene un soporte social, cultural diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué medida podemos medir y, por lo tanto, comparar entre países diferentes, entre culturas diferentes, entre desarrollos económicos diferenciados, entre regiones, comunidades de percepción diferente, de cultura diferente, de idiomas diferentes, de forma de entender la vida un poco diferentes? Claro, uno se hace todas estas preguntas, ¿no? Aparte de que existen dificultades por la falta de una precisión en la definición de la medición como tal, luego, claro, de un país a otro, de una comunidad a otra, pues los valores también son un poco diferentes o no se perciben de la misma forma, ¿no? Es decir, el valor de emprender, por ejemplo, pues yo creo que un escandinavo, un europeo o un americano, pues no entienden igual que un africano. Son parámetros absolutamente diferentes y que tienen una comprensión, una percepción absolutamente diferenciada, ¿no? No sé, más que una pregunta es un comentario. Je pense que l'intérêt des travaux de Putnam, le premier intérêt, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a aussi reçu un prix, c'est de pouvoir faire des comparaisons. Et je pense que l'intérêt des comparaisons, c'est d'abord des comparaisons à l'intérieur d'un pays. Ce qu'il a fait en Italie, de façon un peu rudimentaire, ce qu'il a fait aux États-Unis, et ce qu'on peut faire à l'intérieur d'un pays, c'est ce qui me semble, parce que c'est un certain espace qui présente à la fois une certaine homogénéité sociale et politique, et qui permet de mesurer les relations et les normes de façon assez univoque. Effectivement, après, les comparaisons internationales sont extrêmement difficiles, parce que les différentes valeurs, comme par exemple, ne serait-ce que la confiance, est-ce que c'est compris de la même façon? Est-ce que quand on demande à un Suédois, faites-vous confiance de façon générale aux autres, et si on pose la même question à un Algérien, est-ce qu'on y met les mêmes mots? Est-ce qu'on y met les mêmes sens? C'est pas du tout certain. Donc je pense qu'il y a une comparaison intranationale qui est très très féconde, une comparaison internationale à condition de le faire de façon assez qualitative. Quantitative, ça me semble un peu délicat, parce que ça voudrait dire qu'il y a des équivalences fonctionnelles, que les associations de syndicales, par exemple, jouent le même rôle partout, que les associations de parents jouent le même rôle partout, que la famille a le même sens partout. C'est extrêmement compliqué, qu'il y a la même facilité de créer une ONG au Caire qu'à Madrid et à Paris. Mais effectivement, je pense que l'intérêt du capital social, c'est effectivement de pouvoir faire des comparaisons. Moi, je ne ferai pas référence à la valeur d'entreprendre. En revanche, je ferai référence à la valeur, un peu comme l'ont fait d'ailleurs des travaux, à la valeur aux différents sens que prend la hiérarchie dans une entreprise, ou aux différents sens que prend l'autonomie des salariés dans une entreprise, qui envoie de différentes façons de faire fonctionner une entreprise. Bien, ¿alguna otra cuestión? Si no, terminamos ahora mismo. Pues nada, pues muchísimas gracias por las dos intervenciones. Creo que, bueno, pues a pesar de la dificultad, en este momento tenemos mucho más elementos para tratar de definir lo que es el capital social y a ver si mañana llegamos a
a concretar un poquito, pues, para qué puede servir, ¿no? Vale, bien, hasta Sierra Casco. Hasta mañana, a las 9 de la mañana nos reunimos aquí. Así que buena tarde y hasta mañana.